Pour créer ma caisse digitale, je commence par créer mes modes de tarification, par exemple sur place ou à emporter. Je crée ensuite mes catégories de produits auxquels j'attribue un taux de TVA selon mon mode de tarification. Je peux à tout moment modifier une catégorie ou la supprimer. Troisième étape, je crée mes produits que je peux ranger dans une catégorie de produits. Je peux leur attribuer un prix et une TVA en fonction du mode de tarification. Pour rendre ma caisse plus visuelle, j'ai la possibilité d'ajouter une photo via le bouton Parcourir qui me dirige vers mon ordinateur. Je valide et mon produit est instantanément ajouté dans ma caisse digitale. Pour permettre à mes collaborateurs et employés de faire des encaissements depuis leur propre smartphone ou tablette, je vais dans mon profil, rubrique Utilisateur, et je leur crée un profil.